Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes collections. Donc aujourd'hui on va faire les séries. Les séries j'en ai pas beaucoup et en fait elles se casent ici parce que je les ai rangées dans l'ordre alphabétique mes films et les séries je les mets dans les films parce que pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Et j'ai trois types de séries différentes et du coup elles se trouvent que dans cet étage. Du coup je descendrai pas plus bas et la vidéo durera pas très longtemps. Donc déjà, on a la série de Chair de poule. Donc il y a les 4 saisons. Je l'ai acheté dans un coffret. Déjà, il y avait un grand coffret qui entourait ces 4 saisons. Puis après, il y a des coffrets pour la saison 1, la saison 2 et là, la saison 3 et 4. Et dans ces autres coffrets, il y a 2 DVD dans chaque coffret. Et dans ces DVD, il y a... Non, dans ces DVD, il y a 4 disques, je crois. Alors, c'est beaucoup, ouais. Pour l'instant, j'ai vu toute la saison 1 et la saison 2. Je vais commencer la 3 et la 4. C'est assez difficile de critiquer une série comme ça, vu que chaque épisode sont différents. Ils n'ont aucun rapport entre eux et du coup voilà, mais du coup j'avais déjà lu plein de livres de Chair de poule et c'est marrant de voir comment ils ont voulu l'interpréter en série. Et d'habitude par exemple quand il y a une adaptation cinématographique ou une adaptation d'une série par rapport à un livre, c'est souvent déformé parce que le réalisateur il préfère se l'approprier à lui-même. Tandis que là, c'est recopié à la lettre et c'est bien parce que du coup on ne s'y perd pas. Même par certaines fois, pour certains épisodes, ça change. Par exemple, je pense pour le fantôme de la plage. Le fantôme de la plage, j'avais adoré un livre. Et là, j'ai pas très bien aimé parce que la fin et même l'histoire tout court n'était pas tout à fait pareil. Et aussi, c'est difficile de s'identifier aux personnages et de les aimer vu qu'il reste que un ou deux épisodes maximum. Du coup, voilà, mais c'est une série que j'aime bien et que je vais continuer à regarder. Donc, du coup, je les ai mis ici, à côté du film Chair de poule. Après, on continue avec les 4 saisons de Doctor Who. Doctor Who, c'est une de mes séries préférées. Bon, c'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup des séries, mais celle-là, j'aime beaucoup. Déjà, parce que, en fait, au lieu d'avoir toujours un acteur, il change d'acteur toutes les 3 ou 4 saisons à peu près. Et il change aussi chaque saison de compagnon. Et ça c'est bien. Et ce qui est bien aussi, parce que, y a plein d'épisodes dans une série. Dans une saison. Chaque épisode, il y a des nouveaux méchants, un nouveau mystère. Je sais pas comment ils font pour trouver à chaque fois de nouvelles créatures ou de nouveaux mystères. Et la série perdure encore, hein. Bientôt, on aura une docteur femme. Et donc voilà, cette série, j'avais connu, je l'ai connue à partir de la saison 4 à la télé. Et du coup, j'ai recommencé à regarder et c'est en allant à la Fnac que je les ai vus. Du coup, je les ai pris et du coup, je les ai tous regardés et j'ai bien aimé. La saison 4 pour moi, c'est la meilleure. Et à chaque fois, la fin de saison, c'est trop bien parce que par exemple, dans la saison 1, bon, la saison 1, c'est normal parce que l'acteur il a duré qu'une saison, mais du coup, ça passe le flambeau à l'autre. Dans la saison 2, je crois c'est l'ouverture. Il y a un autre monde qui s'ouvre. Dans la saison 3, il n'y a que Martha Jones qui est la survivante. Je m'en souviens plus trop parce que ça fait longtemps. Mais pour moi, la saison 4, c'est la meilleure. Et Doctor Who, c'est une série que j'apprécie. Après, on finit avec du coup la dernière série. C'est Dragon Ball. Tout son Dragon Ball, vous l'avez déjà vu, vu que je l'avais acheté à Easy Cash. Je touche pas regarder parce que déjà je peux pas commencer par l'épisode 19 à 24 et je préférerais regarder tous à la suite. Donc voilà. Et du coup ça fait Chair de poule là, juste pas loin de Doctor Who et juste à côté de Dragon Ball.
Donc voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour la collection Marvel, à mon avis. Non, la collection de livres. Là, non, ma collection de livres, c'est-à-dire manga, roman, BD et tout. Du coup, ciao.